so good. Look at the way that I do what I should. Look at the way that I got you amazed. You should see the look on your face. Look at the way that I bang with the bass. Look at the way that I'm running the place. Look at the way that I'm keeping the pace. You see the smoke, well look at the flames. I see the look in your eyes. It be the look of surprise. That's just a part of the game. You gotta look for the prize. Look at the way that we ain't gonna fall. Look at the way that we all gonna ride. Premier match de la soirée qui va commencer. Bon retour au bureau de Cast Feminine. Tu vas te mettre très bien. Lille contre Akroma pour démarrer tout ça. On est à égalité au score entre les deux équipes pour démarrer ces matchs retour. Donc c'est parfait. Absolument, une confrontation au sommet entre ces deux équipes. On en a vaguement parlé et c'est le cas également à LEC. On arrive sur le match 14.11 du côté de la Division 2 avec son lot de changements, en particulier quelques nerfs que j'ai eu l'occasion de voir en 30 secondes tout à l'heure lorsque j'ai refait le défilé du patch note. En particulier un nerf de Jinx, un nerf de Karthus qui sont passés, un ré-up de Draven et un petit up de Gnar également qui sont passés. Et beaucoup de choses qui avaient été faites aussi, lors d'un petit bi-patch. En fait, dans tout le déroulé du 14.11, ils disent ouais, il y a des trucs qui étaient déjà en live dans le 14.10. Mais qui ont été reproduits, ouais. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est, si ça change vaguement la méta. On a quand même le ban de Jinx malgré son nerf. Ouais, c'est Xicor toujours. Jinx, Aphelios sont ses grosses priorités. Et rappelle-toi même sur le 14.11, c'est le changement des fortifications sur les tours. C'est vrai. À la top lane et à la mid lane, passe de 50% à 75%, ce qui fait que le swap lane est beaucoup plus difficile à mettre en place. Même si on l'a vu en LEC, BDS l'a sorti à deux occasions, parce que nécessaire dans leur situation lane, et ça avait toujours fonctionné pour pouvoir dodge un match-up, mais pas pour prendre particulièrement beaucoup de gold. Bon, sinon, tour des champions, on n'est pas surpris, on n'est pas choqué, la Tristana est bien évidemment priorisée. Absolument, et le Corki hein, qui est là, les changements du champion l'ont quand même laissé présent, mais du coup, le style de jeu est tout à fait différent, on est beaucoup moins herbivore dans la manière dont il se joue actuellement. Il est plus intéressant de le voir. Et la Nida qui sera quand même présente du côté de Lille. Ça fait deux d'affilée pour Olonski. Lui, il l'avait fait fonctionner. C'est lui qui avait amené jusqu'au backdoor, tu vois, où il l'avait réussi. Donc, c'était une belle Nida. On a déjà un mid qui push, un support qui a un stunlock. Les conditions de Nida sont déjà remplies pour démarrer tout ça. Donc, on est content. On est content pour Lille et on all-in un peu sur une stratégie spéciale. Absolument. Et je serais curieux de voir si on peut combiner également peut-être avec un top laner qui pourrait être intéressant avec la Nida. On sait bien évidemment que Renekton est dans les top prio dans ce genre de situation. Du Panthéon top là. Le Panthéon qui a d'ailleurs été changé sur le 14.11 pour être jouable un peu plus top lane. Ok. Bon alors c'est parti. Hein. C'est parti, le Panthéon de Deimos. Voilà, c'est Panthéon, hein, c'est toujours très cheesy. Mais il y a un gros défilé sur Panthéon, voir justement si on peut peut-être le sortir de derrière les fagots. Jean est revenu, moi j'aime pas ça, je suis content qu'il soit bon. Après, il est fort. Je m'en fous frère. C'est vrai que parmi tous les haters, j'ai dû me battre avec beaucoup parce que les haters sont nombreux. Et je pense que tu te mets en haut de la pyramide. Ah ouais, mais clairement. Il y avait une phrase de Glopo qui avait sorti, je sais plus sur quoi, et genre... Avec vraiment, le visage d'Einstein. Ouais, ouais, c'est ça, genre... Jean est un champion qui ne sert à rien passer un certain temps et... Mais là maintenant il a des dégâts, donc même contre des tanks il réussit à les tomber. Et là où on demande aux AD Carry d'avoir du burst, là où la mid lane va avoir du DPS, et franchement c'était son meilleur moment, ça a duré un patch, c'était très bien. Alors, du coup, on n'aura pas de Jean, et du côté Akroma pour l'instant on a une draft, elle est carrée, dégâts physiques, dégâts magiques, front lane, on a un last pick top lane qui pourra faire un peu ce qu'il veut en fonction de ce qui lui est montré. Et de l'autre côté, par contre, côté Lille, wow, la strat, elle est
Ok. Elle est aggro. On veut Snowball. On veut Snowball côté Lille, ça c'est clair, net et précis. Et on va aller chercher un petit peu plus de dégâts un peu AP, sachant que Nidalee est présente certes, mais ça peut être un peu limité au bout d'un certain temps. Et surtout, un front un peu polyvalent, c'est-à-dire qu'on va pas chercher un full tank qui pourrait justement être sensible à ce genre de situation face à un Difference qui, tu l'as dit lors du pré-show, est très très chaud justement sur ses top laners. Gragas, bien évidemment, ça va pas être là pour passer Camille, mais normalement, ça ne se fait pas solo kill, et c'est ça le plus important. C'est ça, normalement, on va être là pour pouvoir weak side assez tranquillement, pendant que le reste de la map doit être mis à feu, à sang. Les 4 champions, enfin, Nida, Tristana, Draven, Leona, t'as qu'un seul objectif, et si Akromin sort de la laning phase en étant égalité au gold, voire même devant, bah chapeau bas, normalement, c'est un peu tout droit, parce que la composition de teamfight Akromin, il n'y a rien à redire, il n'y a rien à acheter. Vraiment, les 5 champions sont forts dans cet exercice. Il y a des capacités de catch sur un peu tout le monde. Donc Lille, c'est Snowball ou Perry. Absolument. Et on va voir si on sera capable de le mettre en place. Hein. C'est toujours un petit peu le jeu du côté de la Division 2. Et même dans les ligues supérieures, on n'est pas toujours capable de Snowball proprement. Et c'est pour ça que parfois, on se réfugie sur du teamfight late game. Akroma joue une composition stable et solide. Lille va devoir accélérer. Alors question moi, que je te pose, parce que j'ai suivi de loin un petit peu ces changements sur Corki, mais globalement ça se fait poutrer par Draven. Voilà, c'est pas un monstre de lane. Voilà. C'est pas un monstre de lane, mais il y a toujours ce timing où il y en a beaucoup qui jouent Hail of Blades, et t'as un timing Hail of Blades où t'as la dague dentelée et où tu peux juste dash in, mettre 3 autos avec la Gatling qui proc en même temps, et t'as une petite phase intéressante. Mais tu fais ça face à un Draven, déjà 1 il cancel ton dash, 2 il a 2 H. Et il ne te lâche pas. Donc, je pense que c'est très clair que Xikor veut dominer la lane face à Bushi. C'est deux AD carrés qu'on a justement vu dans la liste des multi-kills un tout petit peu plus tôt. Donc, on sait qu'ils ont envie de montrer. Là, par contre, il y en a un des deux qui peut faire beaucoup plus que l'autre. Absolument. Le Draven. Si Draven prend un peu d'avance, Corki a plus le droit de s'avancer pour toucher la wave. Ça va slow push avec une Nida qui va arriver, genre comme ça. Une Tristana qui aura push déjà les 4 waves d'avant pour être prêt à bouger. Et ça pourrait être une catastrophe. Donc on a besoin d'au moins contenir un peu ce Draven Leona. Absolument. Essayer d'empêcher le Hard Snowball tant bien que mal. Et ça va être un gros travail à faire. Du côté de Mafro en particulier, qui va devoir probablement babysit sa bot lane. On est rentré dans la faille de l'invocateur. Hein. Première game de cette soirée de Division 2, début des matchs retour. Et est-ce que Lille ou Akroma va pouvoir réussir à prendre cette victoire? Tu veux que je te mette bien? Dis-moi tout. La dernière fois que j'ai vu Mafro jouer, je sais pas pourquoi Mafro, ce sera pour plus tard la Mafro, que j'ai vu Mafro jouer, c'était sur le stream de Shriek. Okay. Et en fait, Mafro était en face. Et la jungle diff était si insoutenable que Shriek a pété un plomb. Genre, à chaque fois que Shriek avait besoin de son jungler, il y avait la vaille de Mafro qui sortait du bush, grosse patate, et la game était devenue injouable parce que Mafro l'avait tout simplement détruit. Ah là là. Donc, là. Et c'était une game pour passer le cheval qu'il n'a pas gagné. Voilà. Agression très tôt, tout de même, trouvée du côté du bot side Akroma. On est quand même au-dessus en HP, sachant que c'est Xikor qui a pris la sauce. Et du coup, le trade est pour l'instant remporté. Très beau grab trouvé de la part de la Wagner. On n'avait pas. C'est à partir des 2 H que Draven a vraiment envie de jouer. On a trouvé le trade au bon moment. Et Xikor a perdu une deuxième H. Perdre 2 H sur la première wave, c'est chiant. Parce que du coup, tu peux pas jouer la lane comme tu le souhaiterais. Et tu peux pas jouer la prio de lane surtout. Et justement, le passage niveau 2. Ouais. On en parlait juste avant le flash out. Et on esquive bien le grab. Très important ici de la perte de Xikor. Mais ce trade niveau 2 fait que du côté du bot side Lille. Et c'est un back qui est réclamé. Ah, perdre 2 H sur la première wave. La punition, elle est catégorique. Il n'y a rien à faire. En termes de summoner. C'est un flash pour un flash, mais bien évidemment on joue Alex Flash pour Abagnel. Et on va surtout avoir un back qui va être beaucoup plus agréable pour le Corki. Absolument, un back, un peu plus de pression au niveau de la lane. On va pouvoir contrôler la wave, qui le met bien évidemment en situation tout à fait confortable. Ah, c'est Xikor qui se fait. En fait, il paye le prix du trade niveau 1 là-dessus. C'est-à-dire que, vu qu'il est mid-life, du coup, il perd sa hache, t'en parlais, il perd la deuxième, et immédiatement, on identifie le scénario du côté d'Abagnale. Passage niveau 2, flash in. Et heureusement
que Xicor esquive le grab derrière. C'était un 50-50 hein, sur l'anticipation hein, trouvé du côté du Nautilus. Ça aurait pu être d'autant plus catastrophique. Ouais, bah, il restait l'Ignite, hein, donc globalement le grab touche, c'est létal. On n'a plus de E pour Zangseed, donc Evan va directement trouver un trade. Zangseed qui a joué beaucoup de Huey dans ce début de split, même arrivé à genre des first pick, que ce soit Blue ou Red Side, champion qu'il apprécie tout particulièrement. Donc même si c'est une Tristana qui a été bien priorisée par Lil, on s'en sort normalement assez content pour le midlaner à Chroma. Premier carapateur pris par la Sejuani de Mafro, et Olonski va se diriger vers le top side normalement pour récupérer le sien. Absolument, on va réussir à crash cette wave du côté de Xicor et Passy, c'est assez confortable là-dessus. On voit un bon trade qui est engagé du côté de la Camille de Different, mais attention tout de même au proc de pointe de l'immortel. Est-ce qu'on va tenter un flash d'un côté ou de l'autre? On récupère le CD bientôt du Z, du Q-Spell du côté de Deimos. On a bientôt également le coup de bidon. Est-ce qu'on peut tenter quelque chose? Mais Different a récupéré également ses CD sur la Camille. Ça n'ira point plus. Ouais, on a le passif qui approche. Par contre, on n'a plus de passif. Et là, ça devient dangereux. Et là, ça devient dangereux pour Différence et il se rend compte immédiatement. On a le hookshot. Après, le hookshot, c'est une spire gratuite, donc il fallait attendre. Oh! Ah, le fait de se retourner, par contre, je suis pas sûr, Différence. Il y avait encore la régène du bouclier de Doral et une potion qui lui permet de s'en sortir. C'est un flash sur ce hookshot in. Un peu ambitieux! Un peu ambitieux! Et heureusement que Olonski ne se décide pas à faire un petit flash in auto. Ouais, Ce qui est bien, c'est que du coup, on t'a rendu Différence, tu vois, type de bas de classement, mais il y a des bonnes perfs et tout. Premier move que tu vois de lui, c'était un move un peu douteux. Ça me... Voilà. À prendre son temps. Tu sens l'ego player du top. Un peu. Mais là, bon, un dash out into TP back aurait pu économiser beaucoup flash. Mieux. Quoi. Économiser un flash et revenir dans une situation similaire. Mais bon, normalement, face à un Gragas... Bon, après, reste à voir le timing niveau 6 d'un Gragas. Si ça permet à Deimos de trouver quelque chose d'encore plus ambitieux, on verra ça un peu plus tard. Par contre, l'ambiance de la botlane est du coup vraiment à l'avantage du Corki Nautilus. C'est eux qui ont la prio, c'est eux qui sont allés prendre de la vision et qui permettent à Mafro de rentrer dans la rivière tranquille. Ouais, alors est-ce qu'on va quand même aller chercher un dive botside? Ça me paraît quand même un petit peu ambitieux. Après, on n'a pas de flash sur Xicor. C'est peut-être ça qu'on essaie de forcer, ou alors juste priorité botlane to dragon, mais on n'a pas exactement la priorité mid, et donc ça peut être risqué. Ouais, après, voilà, il reste un canon et un petit sbire, et Zangseed sera là également. Donc la mid lane, on a réussi à faire son travail pour Zangseed. Et au niveau du top, bah, le passage niveau 6 de Deimos a été dodge par Différence. Oh, ça sent pas bon, ça sent... Bah oui. C'était forcé. On voulait essayer de tenter l'ultimatum extact du côté de Difference, mais on s'est fait complètement avoir et on a la contestation au niveau du dragon. L'engage qui est trouvé, le smite qui sera validé cette fois-ci du côté de Akroma. Est-ce qu'on peut trouver un kill? Non, très bon E de la part de Zangseed là-dessus, mais on est parti au chase du côté des Lille sans succès, je pense. Ouais, parce que là, s'il continue d'avancer un peu plus loin, grab de Nautilus, réengage de Sejuani, il y a les dégâts pour faire quelque chose. Donc le premier dragon, il est Akroma. Et la lane qui devait être la plus pacifique est là où il y a eu le premier sang. Quand même, voilà, pour Deimos, bah, il savait. Il savait qu'à ce moment-là, il pouvait bien s'en sortir. Déjà là, le dodge de l'ultime est très bon. Oui, ça aurait pu être d'autant plus catastrophique du côté de Difference. Et là, en fait, on a un passage niveau 6 et on imagine qu'avec sa Camille, il se dit « Ok, je peux dodge, mais tu peux pas dodge un flash E de Gragas, c'est toujours pareil. » Et non. Et le retour sur le live nous montre une botlane lilloise en pas si bonne posture. Après, Nida pas trop loin. Oula. Attention, toute la game pourrait vriller ici. C'est Xicor qui prend la foudre pour l'instant. Mais Olonski a déjà réussi à se retourner sur un Bushi qui a consommé son flash un tout petit peu trop tard. Mafro va réussir à abattre le Draven et lui enlever toutes ses stacks. Et effectivement, on a perdu une bonne partie des stacks du côté de Xicor. Un des changements du 14.11. Du côté de Draven, tout de même à noter, c'est que plutôt que de perdre 75%, tu en perds que 50% à présent. Donc c'est moins grave, mais c'est tout de même assez chiant. Ouais, il lui en reste maintenant 79. Et bon, on termine tout de même avec 2 kills sur Nida, l'un des champions qui a besoin de démarrer un snowball du côté de Lille. On ne va pas cracher dans la soupe. Contre un kill sur Sejuani en plus. Oui, c'est. On est content. Ça reste rentable malgré tout. J'imagine que côté Xicor,
On est un petit peu frustré, bien évidemment. C'est pour ça qu'il s'était réavancé. On avait quand même le setup qui avançait sur Mafro. Mais le burst d'une cité jolie avec l'ulti et le passif qui proc est un peu difficile à esquiver. Oh là, c'est Johnny, je crois qu'elle est sortie du burst. Ça n'a pas été ping. Elle est sortie du burst, mais effectivement, ça n'a pas été ping. De toute façon, Deimo, c'est juste en train de récupérer sa wave tranquillement. Après, ça peut permettre de se diriger vers les grubs. Seul problème, c'est que tu as vraiment envie de démarrer les grubs. Bah tu repars potentiellement dans une escarmouche face à Nida qui ne demande que ça. Ah, si cette spire touchait, Difference qui n'avait pas encore son flash aurait pu être en danger de mort. Heureusement pour le top laner à Chroma. Ça aurait chassé. Polonski qui est également en train de se demander s'il n'y a pas quelqu'un autour de lui. La manière dont il a joué d'aller le chercher dans le bush. Peut-être aller chercher la vision qui aurait pu être posée par Difference, mais il n'y en a pas eu. Bon, niveau de la mid lane en termes de farm, on est correct des deux côtés. Même si bon, on va du coup avoir son premier item beaucoup plus tôt côté Zangfield que Evan. Tant donné qu'on a fait un arrêt sur les sporales de Mercure. Oh, pas incohérent, hein, du home jungle qui est assez oppressant avec une Sejuani et le dégât potentiel d'un Way. Mais forcément. Vu que tu manques un peu d'item agressif du côté d'Evan, bah t'as pas tant la prio que ça. Avec ta Tristana dans un premier temps, pas de plaques qui ont été prises. Et même au niveau du bot side qui était dominant dans un premier temps du côté d'Akroma, bah la plaque qui est tombée, on l'a vu tout à l'heure, elle est tombée un peu dans le néant. Donc on n'a pas réussi à la faire fructifier. Attention, attention, ce grab qui va connecter parce qu'il est certes pas encore niveau 6, mais il a son flash, il va pouvoir s'échapper. Olanski qui va zoner à grand coup de spear. On a mis un midlife sur un Bagnell, mais attention, la grenade ASM est à disposition et va aller chercher le bump sur 3 joueurs. Bump sur 3 joueurs avec une petite roquette qui a été ajoutée. Ça a mis des dégâts corrects. Mais vraiment, cette Nida, là tout de suite, fait peur. On a que des bots rang 2, mais c'est largement suffisant avec ce type de champion pour faire reculer les adversaires. Le fait que Passy soit pas niveau 6, je pense, annihile un peu la fin du trade. Parce que la Spear qui fait très mal à Bagnell aurait pu conduire à ce turn. Et effectivement, on a vu, tu le disais, la combinaison entre la grenade ASM et derrière la roquette du Corki. Oh. Et s'il y avait l'éruption solaire de Passy, on aurait quand même pu continuer. Clairement. Bon, la première plaque a été récupérée par Evan, au passage. Et ça va lui permettre d'avancer sur sa BRK. La bonne wave qui va être crash ici, mais c'est une wave canon. On perdra pas tant, du côté du bot side, les lois. On perdra qu'un seul creep, et après le reste sera récupéré tranquillement. Donc on part sur le stuff Trinité pour Bushi. Ah, y a pas tant d'HP en face. Il y avait un monde où on pouvait jouer full létalité. Mais je pense que le stuff Trinité est globalement plus apprécié, plus on avance dans le temps. Plus équilibré, hein, c'est toujours pareil. Sachant que Deimos va quand même faire un petit peu de tankiness, là on le voit, hein, ce séculaire qui pop, il va y avoir le Seraphin qui va arriver après. Et Olanski qui est en train de faire le travail autour de sa botlane, de toute façon c'est ce qu'il lui est demandé avec une Nida. Par contre, attention au retour sur la mid lane pour Evan. Différence était en mouvement, mais il n'y aura rien à faire. Ouais, effectivement, un petit décalage de la Camille. Mais, As Tristana, avoir une Camille qui t'ultitue, normalement c'est censé être sous contrôle. Hein. Le Buster Shot te permet, dans la majorité des cas, sauf si t'es vraiment au contact de la zone, d'un des murs, d'éjecter la Camille et donc de pouvoir flash dash out. Attention, attention à cette contestation. Je sais pas si Lille est si content de ce qui est en train de se passer. Ah bah si, ils sont extrêmement contents. On a déjà eu le premier kill pour le Draven. On a Deimos qui va également TP. Très bon spam pick de la part de Zangfield tout même qui fait en sorte que ce soit un pour un. Mais en termes de gold, ça n'a rien à voir. Très bon flash d'Evan. Deimos qui va également flash in et on réussit à prendre des kills supplémentaires. Très bel enchaînement de Lille. Oh, le flash de fou. Le flash de fou que Eva nous a fait extrêmement bien coordonné. C'est entre le réflexe et l'anticipation ici. Il savait que sur le dash-in, Zangseed allait forcément mettre le E-Fear. Et du coup, il l'a anticipé et posé au bon moment. Très très bien joué de la part du midlaner Lillois ici. On prend le dragon, on fait cash Sikor qu'on a vu, hein, qui a récupéré 409 gold sur le kill sur Mafro, si je dis pas de bêtises, ou c'est à Bagnell qui l'a pris. Non, c'est à Bagnell. Je pense que c'est à Bagnell. Il est tombé. Et du coup, ça permet de mettre très très bien. Ouais, l'enchaînement était pas mauvais. Zangsi était pas loin de toucher son ultime, mais bon,
ça n'aurait pas changé grand-chose. En tous les cas, il a eu le kill avec l'éclair. On pas sûr pour le flash de Deimos, mais de cette manière, on est au moins sûr à 100% d'avoir le kill. Et la Camille, elle, pendant ce temps, n'a récupéré qu'une seule petite plaque. À la différence de Stuff Top Lane, fait un peu peur là tout de suite. Hein. Ouais, ça se fait un peu sentir effectivement, sachant que du côté de Different, on n'a pas de TP, donc on n'est pas dans une situation où on peut trouver un back facile. Donc Deimos peut continuer à faire un petit peu la pluie et le beau temps sur la mid lane. Zhang c'est d'ici qui a posé son chemin d'eau pour avoir un petit peu plus de MS, mais ça connecte la lance du Zenith qui permet de récupérer un nouveau kill sur la Nidalee. Imbattable. Nida qui est devant avec une Leona pour la setup. Bah, c'est le scénario que Lille voulait en jouant cette draft. Voilà, tout simplement. Ils ont les kills sur... Allez, j'allais dire sur les bonnes personnes. Tout de même, ils ont les kills sur Nida. Ouais. C'est ce qu'il faut principalement. Avec Zikor qui joue super agressif. Premier item, soif de sang. J'ai l'impression de revenir 6 ou 7 ans en arrière sur Draven. Ouais, je me souviens. Ouais. Et du coup, là, toutes les phases de poke n'existent pas. Le mouvement est bon en plus. Par contre, du coup, Bushi s'est focalisé sur la Leona. Et les dégâts sont pas mauvais. Bon changement, effectivement, de focus du côté de Bushi. Chose à noter contre, également. La Gatling, faut la désactiver. Oh non. Du coup, on va sûrement avoir le bug audio à chaque fois qu'on voit Corki. Quel bonheur. Il y a un changement qui a été fait également sur le patch. C'est que tu peux plus stack les dagues d'entrée. Ouais. Et du coup, ça change un petit peu le visage de certains stuff, forcément. On sait que Draven était un adepte du stacking de dagues. A raison. Ouais. Était complètement broken. En vrai, c'était surtout. Ça s'est vu sur Corki, mais. Enfin, c'était un bug. Je sais même pas comment ça se fait qu'il est passé au milieu d'un patch, hein, mais. Au milieu du spaghetti. Au milieu du spaghetti, de temps en temps, il y a ça qui se balade. Bon, du coup, les premiers items sont tous disponibles côté Lille. Ah ouais, ma pro. T'as certes une cryomine, mais t'as pas de top laner. Hein. Ah, il va back TP. Avec Trini, j'espère. Ok. Evan est encore loin. Il doit avoir l'info sur le positionnement d'Olonski. Qui est extrêmement loin et qui est en train de donner la première tour du match. Qui est en train de prendre la première tour du match. avec son Draven. Absolument. Première tour récupérée. Trade classique avec un héros de la faille. Mais Different skill avec la téléportation. On se doute que la situation est un petit peu compliquée. Le flash in. On se repositionne du côté de Different. La téléportation qui arrive du côté de Deimos. Mettez-le pas un petit peu tardif. Xizor qui va forcément tomber. On a récupéré l'héros de la faille de l'autre côté. Mais Xizor qui s'en sort avec l'arrivée de Deimos. Salvatrice ici. Tandis que de l'autre côté, Olonski vient chercher son trade face au Corki qui a failli trouver un trade kill ici. Mais c'est bien évidemment pas suffisant. Et Evan prend un premier, un kill et un suivant. Un doublé pour le mid laner. Lillois. Et au final, le fait d'avoir contesté le bot side n'était pas la bonne solution. On avait également la téléportation du côté Deimos et on s'est mis en infériorité numérique parce que la Sejuani, elle voulait juste terminer son héros de la fight tranquillement. Et du coup, le snowball Lillois continue dans le bon sens. On a maintenant 10 stacks de saut noir sur l'Anida. Et alors, il manquait un peu de patate en réalité. Hein. La première engage de Defrost est très très bonne avec la grenade ASM de Abagnale. Mais effectivement, Bushi n'a pas pu de DPS. Ah, Bushi il s'est pris Leona into Gragas into Flash in Nida. Elle était pas loin de prendre le trade kill, mais juste à l'auto-attaque avec les procs Lich Bane, ça passe pour Nida, pour Olonski. Effectivement. Malheureusement, cette Camille qui est très très loin d'être à la hauteur pour l'instant. Un champion qui lui aussi a été un petit peu nerf sur le 14.11 en termes de MS sur le Q-Spell, si je dis pas de bêtises. Et du coup, peut-être un petit peu plus en difficulté. La tourelle au niveau de la mid lane qui ne va pas faire long feu, sans grande surprise. Le snowball qui continue. Et un deuxième dragon qui pourrait aller dans les mains lilloises. On n'est pas tout à fait en position pour Akroma. Zanxid est à la top lane. Il ne devrait pas y avoir de contestation. Ouais, on prend son temps bien évidemment avec Nida. Et on est toujours à 3 au niveau de la mid lane. Oula, Zanxi va falloir venir. Oh, le sidestep de Evan est excellent. Et bien qu'on utilise l'ultime de Quay, on ne pourra pas prendre de trade kill. Et Evan qui en plus respecte la possibilité d'avoir Abagnale ou Mafro à côté de lui et qui ne va pas chercher plus loin sur le kill. Ah, bon par contre là, d'où s'en sort-il? Il ne peut pas s'en sortir en dehors de son flash, parce que s'il utilise son dash,
Il y a le Q-Spell de Sejuani qui est là pour le cancel. Et il serait retrouvé en mauvaise posture. Deimos qui était là, qui avait un flash, un ultimate, on veut essayer de choper Zangxid, on esquive le E, les mouvements sont bons, hein, et les Lillois qui ne vont pas peut-être s'arrêter là, dommage pour ce Q-Spell, mais on est déjà là au contact. Et Olonski qui va prendre le premier kill au niveau de cette top lane. Est-ce que Mafro peut tanker un petit peu plus longtemps? On arrive également à la rescousse du côté de Evan qui a pris cette tourelle. Et tandis que vous le voyez au niveau du bot side, on a une Camille qui va essayer de faire la différence sur la carte, qui prend cette tourelle au niveau de la bot lane, mais insuffisant. Oh là, Xikor un peu isolé, Bushi qui va arriver. Attention aux dégâts d'un Corki. Heureusement que Passy est venu se mettre en opposition, parce que sinon Xikor serait tombé. Bon, on n'aura pas pris de T2 hein, pour différence sur le bot side. Du coup, le snowball continue. Et cette Nida va avoir non pas une game de validation, mais deux games de validation si on continue comme ça. Ouais. Ah, quel bonheur. Le mode observateur des League of Legends est toujours aussi bien codé. Ça fait plaisir à voir, il y a des choses qui changent pas. Non, non, non. Et. Bien évidemment, ce n'est qu'un bug son pour nous, spectateurs. Normalement, c'était pas un bug pour Bushi. Et du coup, faut se mettre assez loin et dézoomer un peu pour réussir à le voir, mais pas être trop proche pour avoir le bruit. Là, les ops, tu vois, genre, c'est vraiment, ils ont mis le bandana. Ils sont... Ok, ok, c'est bon, on va essayer de faire en sorte de pas avoir trop le bruit. Après, je crois que bah, quand il meurt, bien évidemment, il y aura plus le bruit. J'espère. J'espère. Je suis pas sûr à 100% non. J'ai juste dit j'espère. Bon, bon contrôle de deal. On a push mid lane, on a push top side, on est en train de prendre tout le contrôle autour d'un Baron Nashor qui va apparaître d'ici quelques secondes. Est-ce qu'on peut le faire tôt du côté de Lillois? La compo est faite pour, hein. Ouais, mais en fait, ce qui me pose la question, c'est qu'on est quand même avec un Vas-y, bien joué. Effectivement, qui sera bien toqué de la part de Passy. Et c'est surtout que en fait tu es sur un champ de mine face à un Way. C'est ça qui peut être un petit peu plus embêtant face à Corki Way. C'est pas si gratos Imo de first try le Baron Nashor comme ça. Et du coup on va plutôt se concentrer sur les objectifs de l'autre côté. On prend l'ultimate de Zangxid. Et ça c'est une bonne prise justement si on veut peut-être forcer Nashor. Ouais, parce que là on a toujours le push de ce côté là. On a toujours une belle vision. Quoique il y a une petite ward rouge qui a réussi à s'immiscer là où une pink ne l'a pas arrêté. Mais il continue de mettre de la pression. Deimos est en train de se diriger vers le top side. Et s'ils veulent faire un baron à 5, ils devront le faire vite pour ne pas avoir une Camille qui prend trop de place sur le side. Bon dégât de la part de ce Tristana quand même. Sur cette tourelle top lane qui résiste encore et toujours à l'envahisseur pour l'instant. Deimos qui a préféré éviter de laisser trop de ressources à Difference, tandis que Xikor lui s'avance au niveau de la mid lane cette fois-ci. Ils sont quand même en train de jouer du coup une situation de siège sans Baron Nashor et ils réussissent à gagner petit à petit des HP sur les tours. Hein. Ça gagne bien effectivement. Hein. On n'arrive pas à bien gérer l'essuie-glace du côté des Akroma parce qu'en fait, s'il y a un joueur qui est laissé un petit peu trop en solitaire, ça peut déjà démarrer le dive en fait côté Lille et on le sait. Les waves sont désynchro, on passe pour l'instant d'un côté à l'autre. On a tenté une engage du côté Difference, mais Passy qui est en train de tanker le monde pour son ADC. Une réengage à l'éruption solaire. Malheureusement, on n'arrive pas à connecter sur les bonnes cibles. On a quand même forcé le flash de Difference. Ça arrive sur Evan, effectivement. Et c'est bien trouvé. L'interruption est là. Et est-ce qu'on peut enchaîner du côté des Akroma? Et on va prendre un double shutdown ici. Et on va prendre du coup 3 kills au total pour les Akroma. Deimos qui malheureusement est arrivé un tout petit peu trop en retard. À cette fois. C'est la Camille qui est arrivée en première sur les lieux. Mais c'est surtout un très bon travail d'Abagnale qui a cancel Evan qui a mis un peu trop d'auto-attaque sur la tour. Olonski va également consommer son flash. Il a le plus gros shutdown de la game. Il n'a pas envie de le laisser. Ouais, on va plutôt abandonner cette tourelle. Hein. On va pas prendre le risque de donner plus de ressources à des Akroma qui sont déjà très heureux d'avoir réussi à trouver ce trade parce que on était à près de 6 kgold de retard et on recolle un peu au contact. Sur une composition scale. Oh, par contre, est-ce qu'on a encore le dash? Il n'y a pas de dash. Ok, attention. Attention, on se fait complètement catch et c'est une mort un peu dommage.
C'est pas la meilleure game de diff. j'allais y venir. Je dire, c'est... Ah, donc c'est ça le top laner que vous m'avez vendu. Ah ouais. C'est... On demandera après à Glopo ce qu'il en pense, mais je pense qu'il est sur potentiellement sa moins bonne perf. Mais là, du coup, ça coûte très très cher parce que sans la Camille, les barres d'HP sont pas mal. Et au final, il n'y a pas tout le monde qui a pu aller utiliser les golds qu'il venait d'obtenir côté Akroma. Par contre, Mafro est toujours là, prêt à smite. Baron Nashor à 3k HP et Lil qui va l'arrêter, qui va tenter de jouer le fight. On met des dégâts corrects. Xicor très agressif. Passy qui va aller juste à côté de lui. Mais Bushi lui répond bien et va tout de même consommer son flash pour s'en sortir en vie. Pas de Baron Nashor, pas de mort supplémentaire. Mais des flashs. Des flashs qui ont été pris, celui de Bushi en particulier, le plus important ici. Et également celui de Mafro. Hein. Les mouvements des Lillois sur cet engage au niveau du Baron Nashor étaient clairement intéressants. Je sais pas si on verra le replay parce qu'il n'y a pas eu de kill. Mais en fait, genre vraiment, ce que j'ai bien aimé, c'est que on savait que le 50-50 pouvait tuer la game. Et du coup, plutôt que d'aller forcer le Baron Nashor, on a eu une engage par-dessus avec un Passy qui a trouvé une bonne éruption solaire combinée à l'ultimate de Sikor. Et derrière, on a eu un très très bon moment de la part du Draven qui baitait sans consommer son flash. On a vraiment bien joué cette phase de jeu, je trouve. Même si, bien évidemment, l'absence de kill est préjudiciable. On aurait aimé valider Snasher pour enterrer la game. Ouais, et du coup, on ne l'enterre pas encore, mais on est tout de même récompensé par un dragon sur la sortie de base. Et maintenant, ils vont pouvoir de nouveau jouer autour du baron, mais avec une situation bien différente. Il n'y a pas de téléportation en face. Eux n'ont pas les leurs non plus, mais vu que ce sont eux qui se regroupent et eux qui essaient de jouer au maximum la vision, ça veut dire que la Camille ne pourra mettre aucune pression en side là. Sans y risquer de laisser beaucoup plus de choses. L'engage ici sur un Mafro qui n'a pas de flash, donc il a consommé tout à l'heure. Deimos, l'ultimate qui ramène à la perfection les deux meilleures cibles. On a récupéré le kill sur Bushi. Mafro est tombé, plus de jungler. Le baron Nashor est offert aux Lillois. Et ils vont logiquement s'y tourner immédiatement. Ah, on savait que là maintenant, on n'avait plus trop de solutions pour Akroma. On doit rester dans les parages tout en se disant qu'on n'a pas encore envie vraiment de jouer le fight. Et Pazli n'a pas hésité une seule seconde. C'est Mafro hein, qui s'avance. Ouais. Mais c'est une Sejuani Warmog Randuin. C'est normal, tu vois, que ce soit elle qui a le prendre la vision un tout petit peu plus loin. Absolument. Et un Pazli ici qui, face à la mer, face à son destin, vient chercher l'engage sur le jungler des Akroma. J'ai essayé de la placer pendant tous les matchs allés, j'ai pas réussi. C'est vrai? Ouais. J'attendais qu'il joue contre Nami, il a pas joué une seule fois contre Nami. Une vieille rêche. Je suis pas sûr que tout le monde l'ait dans le chat, mais c'est très belle chanson. Face à la mer, avec Calogero. C'est pas ça. Ça m'est. Enfin, dès que j'ai vu le pseudo, j'ai fait plus de grâce là, parce que j'ai pas eu l'occasion. Et je te la vole en plus. Ouais, je t'ai marqué après 3 semaines et je te la pique. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ce qui est bien, c'est que toi, du coup, genre, tu l'as vu archi vite. Hein. Ouais, ouais. Mais ils ont pas fait une seule game contre Nami, Lil, j'en suis sûr. Bon, en tout cas, pas quand j'étais au cast. Et du coup, là, ils continuent de bien snowball. Avec ce baron Nashor, on récupère déjà la T2 top qui avait été bien amochée précédemment. Oh, attention, on a un catch sur le bot side. Ouais. Un kill qui vient d'être pris sur cette Tristana. Mais en même temps, c'est deux personnes. Oh, malheureusement, l'ulti du Gragas ne va pas ramener Zangsid au milieu des coéquipiers de ce Gragas. Pazzi qui va hyper loin. Et la Spire qui va connecter. Belle connexion. Absolument. Mais est-ce qu'on peut finir? Est-ce qu'on peut finir sans la présence de Evan? Cette Tristana, elle est quand même décisive dans les situations de siège. La range, bien sûr, mais les dégâts sur les tours qui sont quand même assez intéressants. Passy qui tank encore une fois un ultimate de Mafro qui ne l'avait pas utilisé tout à l'heure au niveau de la botlane. Passy qui tank. On a retrouvé une engage du côté d'Abagnel, Grenada SM et Deimos qui tank cette fois-ci également, qui va réussir à s'en sortir et qui va régène. Et on va avancer. Le très bon flash-up de la peur de Sikor qui a bait à la perfection le top laner des Akroma. Ici, on se fait complètement enfumer pour un qui ne l'a fait de toute façon pas ici, et on va avancer sur le Nexus. La victoire est au bout des doigts pour les Lillois et ils vont chercher donc leur quatrième victoire du slip. La quatrième victoire du split pour les Lillois. Très bon reprise de play by play. Très bien. C'est propre, ça me met extrêmement bien. Et une deuxième victoire d'affilée de Nida, tout de même du côté d'Olinsky, qui fait une très belle game. Mais je pense qu'il faut mettre l'accent tout de même sur la qualité de cette Leona.
au cours de toute la partie parce qu'il y a beaucoup qui est parti par Pazzi. Mais justement, on va pouvoir en parler à l'analyse desk. On se laisse pour une petite minute de pause et on revient. À tout de suite.